Ce livre est né de ma passion d'abord pour Rimbaud, tout jeune. Moi, tout jeune, Rimbaud, qui regardait l'Orient, et on regardait l'Orient ensemble, d'une certaine manière, et Verlaine aussi, à travers le drame qui les a liés à Bruxelles, tous les deux. Donc mon roman, car il s'agit vraiment d'un roman, reprend l'histoire de chacun, le destin de chacun, mais le destin aussi des deux ensemble. Je dirais presque que c'est un troisième destin, qui va se terminer à Stuttgart, dans une bagarre homérique dans la forêt du Württemberg, où finalement Rimbaud, au terme de cette bagarre, va remettre les derniers poèmes qu'il a écrits, n'en écrira plus jamais, comme un legs à la littérature. Ce sont ces poèmes qui vont être publié par la suite, par l'intermédiaire de Verlaine, sous le titre des Illuminations. Donc Rimbaud ne sera plus jamais poète après cette bataille homérique dans la forêt où se déroulent les Nibelungen, toute cette grande littérature allemande faite de mythes, etc. Mais ça commence à Londres, car Rimbaud s'est inscrit à Londres à un moment à la bibliothèque royale, non à la bibliothèque pardon du British Museum. Il s'est inscrit au même moment où on enterrait le docteur Livingstone à Westminster. Donc je me suis dit, il ne pouvait pas ne pas tenter d'aller ou aller même assister à cet enterrement. C'est dire que je joue et donc je le fais. Avancer, je commence comme ça, et il y a comme ça plusieurs situations. Karl Marx est inscrit à la même bibliothèque que Rimbaud. Il n'est pas possible qu'il ne l'ait pas croisé. Il écrit Le Capital à ce moment-là. Donc vous voyez, sur des séquences d'histoire, tout du long de la grande histoire, je raconte leur histoire. Et rien de ce que j'écris est impossible. Mais tout est fiction. C'est un roman. Donc j'ai voulu le bâtir aussi de façon originale par des séquences comme dans un film, de sorte de maintenir cette progression dans leur relation, l'amour du côté de Verlaine pour Rimbaud, la passion de Rimbaud pour Verlaine, la passion passant plus vite que l'amour, et c'est ainsi que sont et qu'était leur relation et que j'ai voulu les décrire. Et bien sûr, Verlaine en prison, qui a l'illumination et qui se convertit réellement, comme au sens catholique du terme, il a la conversion, il se convertit au catholicisme, qui va ensuite, pendant des années, nourrir sa vie. Voilà, c'est tout ça, ce roman, Arthur et Paul, la déchirure, déchirure quotidienne entre eux dans leur vie folle, déchirure par la rupture aussi, à travers l'absinthe.